Allez, on est bon. Normalement. Il a pas fait le mail. Il a pas fait le mail. Twitch, c'est pas bien. Je veux mon argent. Voilà. À la mano, on est bon. C'est ghetto, il capture même pas le jeu. Attends, si je fais ça. Ouah, c'est tellement ghetto. Oh putain! Oh non! On est bon! C'est tellement ghetto. Allez, vas-y. Commence-le ton tournoi. Alors, niveau volume sonore, c'est bon. Alors je vous préviens, ça va être un tournoi du schnapps, ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer une heure. Eh, cela dit, j'ai une idée, attendez. On va faire ça. Comme ça, on va pouvoir voir les matchs directement. Publicité, tout ça, c'est inutile. Hop. On revient. J'espère qu'il va arriver à capturer le jeu, ça va être marrant. Là là, putain. Putain, je vois que le chat se remplit, il y a The Dead. Ah, il y a du monde, il y a du monde. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas eu autant de monde sur le channel Vampire Savior d'un émulateur en ligne depuis 1993, en fait. Genre Pietamout, il est coréen. Roublardise. Oh, du coup, on va commenter quelques matchs avant de jouer. Si ça joue pas tous les matchs en même temps. Attends, le bracket, il a encore changé. Il s'est encore fait Romain Michel. Ah, salut à tous ceux qui arrivent entre-temps. Hein. J'essaie de pas faire trop faire de bruit puisque j'ai madame qui joue à Guild Wars 2 à côté. Avec la webcam en contre-jour. Vas-y, je me suis encore fait roublarder sur le l'arbre, c'est ça? Oh putain, fais chier, vas-y. Ça y est. Voilà. C'est parce que j'ai lancé mon stream dissident, ça veut m'éliminer directement. J'avoue, Pietamou, qu'il a un ping, hein. Il a un certain ping, hein. Le match avec 300 de ping, sans déconner. Oh, putain. Non, mais sérieusement. Et remarque, c'est une technique, hein. 300 de ping, tu fais rage quit ton adversaire, c'est gratuit. C'est garanti. Rien que t'inquiète, ça passe. Mais putain.
Ah, ça va être rollback à l'infini. Je sens qu'Instant Herbif y va. Allez. On va regarder tout ça. Ça va être fun. On va bien rigoler. Allez, Herbifle du coup qui s'embarrasse pas. Ça squatch qui est comme le perso le plus fort du jeu. On va juste baisser un peu le volume du jeu. Voilà. Là, je pense qu'on est dans des conditions beaucoup plus acceptables. Allez, du coup, ça squatch en fait qui est plutôt craqué comme personnage, parce que c'est un peu le meilleur avec Zabel. Contre un Akiris qui est plutôt le tir, mais qui est très fort en keep away. Donc, je pense qu'avec le lag, il part avec un avantage certain. Voilà, petit pressing tranquille. Ça, c'est overhead, puisqu'il est en l'air. Ça continue. Oh, complètement craqué. Il a la technique en tout cas. Voilà, instant air dash, presque instant, hein, mais c'est pas grave. Ça suffit, ça passe. Le sarcophage, non, ça passe pas. La petite garde derrière. Allez, allez, Sasquatch, tu peux y arriver. De toute façon, Sasquatch en deux barres. En deux combos, pardon, il t'arrache la barre. C'est tranquille, c'est réglé. Il suffit juste de s'approcher, mais avec 305 de ping, c'est pas forcément hyper facile. Allez, bas gros point, deux derrière les familles. Le dash, il est en close, mais. Ah, petit téléporte pour sortir du coin, c'est bien vu, Ikane Ikaris. Le perso craqué, ça cherche les sarcophages et les choses spéciales. Voilà, punition à la super, c'est nickel. Et de nouveau, dommage, il a pas réussi à capitaliser sur le stun. C'est normalement un petit combo sympathique. Mais oui, on s'en fout, bourre les furies. De toute façon, 305 de ping, t'as pas le temps de mettre la garde, c'est normal. Allez. On l'évite en volant, Anekiris, perso plutôt aérien, hop, petit téléporte, ça met le guac tranquillement, ça va se barrer de l'autre côté du jeu. Et puis là pour l'instant c'est plutôt chaud pour The Dead, qui met sa garde, oh il aurait pu punir ça, magnifique. Pressing infini et il mange, heureusement un seul hit avant la mise au sol. Full anime ça aurait fait beaucoup plus mal, je pense que on aurait pu dire au revoir à sa squatch. Ah punition non, ça veut pas punir, c'est gentil, ça se fait des politesses. Ça évite par un coup de chance à mon avis la furie imbloquable. Et c'est fini. Allez, premier match du coup pour Pietamouk. Il a le ping avec lui. Pingamouk, on va l'appeler maintenant. Ça va être vite vu. On ne change pas une formule qui gagne. Allez, on rappelle que dans Vampire Savior, il y a toujours moyen de revenir très très vite. Un comeback est si vite arrivé. Il y a pas forcément de rune en fait, il y a juste deux barres de vie. Du coup ça peut être très très cruel. Oh là là, c'est complètement le Tixro à 306 de ping, c'est garanti. Le air jump MK en overhead. Voilà, le HP qui knockdown, pas d'avantage, officiel qui whiff. Ah, ça poke pas assez The Dead, je pense que tu peux mieux faire. Heureusement, cela dit, il suffit de rentrer 3 gros normaux avec le Sasquatch pour faire un dommage correct. Voilà, le bas gros point, très bien. Target dans la garde. Et la chope qui passe. Voilà. Nettoie-moi ça un petit peu. Approche-toi en close, il peut rien faire normalement si tu le presses. Allez, tain, ça manque de dash avant ça. Dash avant MP, dash avant MK. Faut faire quelque chose, mec. Défends-toi, je sais pas, t'as le meilleur perso du jeu. Tu peux au moins lui enlever une barre de vie là. Non, tu vas pas te faire. Ah, quand même. Quand même. Le respect et tout ça. Hein. Allez, et voilà, bah, MK infini, c'est garanti. Voilà, et c'est fini. 2-0. C'était gratuit. En plus, je crois qu'il n'y a pas d'arbre en double élim si je regarde le challenge. Ah, et du coup, Miles qui est gentil et qui fait passer Instant Herbifle. Alors attendez, je me suis trompé. Est-ce qu'en fait c'était Instant Herbifle qui jouait Sasquatch? Voyons voir. Bah non, normalement c'est ça, Pietamouk il est P2. Mais enfin Miles t'es bourré? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis en contre-jour. C'est le setup ghetto pour un tournoi ghetto. Mais on est entre frères, ça passe.
Merde. Ouais, c'est là comme on contre joueur, on s'en fout, c'est un stream à la zob. On n'est plus à ça près, hein. C'est juste pour du Vampire Savior, tout va bien. Allez, Link Uxelo contre Niark, on va essayer de voir ça tranquille aussi. Je pense que de toute façon vous voyez toujours ma belle barbe rousse. Nos problèmes. Allez les refrais, lancez la game. C'est ça qui est bien quand tu castes des tournois, c'est que t'attends tranquillement que le match commence. Merci Thermi pour le host entre-temps d'ailleurs. Ah bah voilà, c'est parti. On lance le jeu, très bien. Wow, il y a des frises quand même. Non, je voulais pas faire ça. Je vais lancer le mélangeur de volume. Ah, ça a sorti le Jedha quand même. Hein. Allez, du coup, la roue. Dimitri, perso, quand même relativement solide. Un petit peu le basique, c'est un peu le Ryu du jeu en fait. Hein. Il a des boules, il a des dragons. Ouais, un petit tentative d'overhead de la part de Jedha. Jedha qui est un personnage avec des pressings aux roues qui est pas forcément hyper fort mais qui est relativement intéressant à jouer. Voilà, ça punit, ça met les coups au sol, c'est bien, ça optimise. Joli petit IAD comme ça, derrière les familles, hein. Il se débrouille le petit Linkselo, il se débrouille. Allez, notamment dire un petit air dash raté, mais c'est pas grave. La furie imbloquable qui était complètement évitée par Jedha, la airshop derrière, voilà, c'est très bien. Et le Dimitri qui va peut-être essayer de se rattraper maintenant qu'il y a une barre à deux en fait, il est plutôt en mauvaise posture pour l'instant. Fire. Demon Flame, téléporte Demon Flame, c'est la base avec le perso. Vous êtes invincible pendant la téléporte et à la sortie vous faites un dragon, c'est garanti. Allez, en EX cette fois, ça maximise les dommages. Deuxième, un ES, encore un ES pour finir au sol. Un IAD Zulu de la garde et c'est fini. Ça va vite quand même, ça va vite. Et du coup, 1-0 pour Link Uxelo qui maîtrise, hein, il a le perso, hein, cela dit, il sait le jouer, il sait le jouer, il a les bases. Tandis que son adversaire Niark elle est un petit peu plus perdu, j'aurais tendance à dire. Allez, le Air Gunflame en l'air. Voilà, ça normalement ça se punit, mais il a pas fait. C'est pas grave, c'est une petite politesse, hein, c'est pas très très grave. Allez, bim. La roue. Ah, le petit pressing. Et il veut arriver en close. Il essaye de presser. Ça manque un peu de dragon pif de la part de Niark quand même. Hein. Ouh, bah dis donc, ça se téléporte dans la roue, ça évite la furie, c'est bien vu. Téléporte balayette, la phase, elle est garantie. Target dans la garde. Oh, très très joli, cette petite zouloute. Magnifique air dash au ras du sol. Tu passes en cross-up, ça passe crème. Inversion de garde garantie en cadeau. Nickel. Allez, ça active le Dark Force, à mon avis, c'est parce que ça a voulu bourrer les touches. Comme d'habitude dans ce jeu. Dragon, fin du Dark Force avec petite politesse devant l'adversaire pour se faire punir comme il se doit. Allez, ça met des lights dans les overheads, ça se fait choper par la furie. Hop, ça fait mal, on manque un petit quart de la barre de vie, tranquille. Ouh, le dragon UX. Et la furie chope derrière, malheureusement ça ne passe pas. Gun Friday. Eh ouais, parce que it's Friday, comme disait Rebecca Black. Friday. Allez, de nouveau tentative d'IAD. La roue magique même. Fire. Ah là là, ça se cherche. Ah, la roue X, la tentative Zulu, malheureusement il a pas réussi à comboter derrière. C'est déjà plus haut dans ce match, hein. Ça fait des téléportes dragon en avant carrément. Ah, la tentative de bait et de whiff punish de la part de Jedha, malheureusement ça ne fonctionne pas puisque cette fois en fait Gnark a décidé d'être un petit peu plus distant. Voilà, il couche pas le premier soir, il préfère prendre ses distances et marquer la rupture quand même.
Je pense que c'est plus important. On donne pas son corps comme ça. Allez, petite téléporte. Le Teki derrière avec la punition gros point. C'est pas mal trouvé. La balayette, bien vu, ça passe. Gun Friday. La roue. Ah, deux Teki qui empêchent le pressing. C'est bien vu ça. Mais oui. Parce qu'en fait, quand tu te prends des coups dans la garde dans ce jeu, tu peux mâcher les touches et provoquer en fait le rejet de l'adversaire à l'autre bout de l'écran. Ça s'appelle le Teki. Plus tu appuies sur des touches différentes pendant le pressing, plus tu as de chances qu'il s'active. Sachant que si tu mâches, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut appuyer jusqu'à sur des touches différentes. Hop. Et c'est fini. Du coup, bah, c'est 2-0 pour Link Xelo. C'est propre. Voilà. C'est... Au moins, il n'y a pas d'embrouille. Hein. Il n'y a pas d'embrouille. Ouais, je pop un peu dans mon micro, je pense, effectivement. Mais bon, c'est pas très grave. Allez, rêve contre Hiroshiman. Je pense que c'est mon gars sûr, Hiroshiman. C'est complètement mon gars sûr. Ah zut, ça a commencé, merde! Oh, j'ai oublié de cliquer! Ouh, ça va le faire. Ouais, je suis désolé, Celzar, mais c'est pas le même micro que d'habitude en fait, c'est pour ça. Je vais le relever un petit peu. Oh là là, ça prend les vrais persos, hein. Rêve, Lord Raptor, Zabel en japonais. Tandis que, voilà, c'est Hiroshiman, lui, il joue les valeurs sûres. La Morrigan des familles. Je la joue depuis le 1, j'ai le poster dans ma chambre. Et le Zabel, ouh, le Zabel il fait des IAD, ouh là là, il fait des IAD, ça fait très très mal. Alors les IAD c'est des dashs au ras du sol, et que du coup si tu mets la garde basse, bah, tu te fais zouloute, parce que c'est comme ça, un coup sauté, il faut mettre sa garde en haut. Du coup, ouais, c'est des presque IAD on va dire, mais à ce niveau de la compétition, ça suffit amplement, hein, ça fait le taf. Les Zabel qui est un personnage redoutable au niveau agressivité, oh là, ça fait complètement le Dark Force à mon avis, ça a bourré. Voilà, ça n'a pas servi à grand chose. Et pour l'instant, ça avait bien commencé pour le Zabel. Et le pif qui paye. Voilà, premier match, c'est réglé, c'était rapide. Rêve, il a pas le temps. On voit c'est qui les mecs qui ont pas le temps. Attention, tentative de counter-pick, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je précise que moi je me retrouve contre un mec qui va me zouloute la gueule. Allez, petite recul combo, la punition, jump cap, parce que tu peux toujours mettre un coup à l'adversaire si jamais il se relève pas assez vite ou dans certains setups. Ah, ça rate un peu ses combos. Ah, et du côté d'Hiroshiman, c'est pas terrible non plus. Oh, la petite provoque, ça met le guac, effectivement. Et la déchoppe anti-air, voilà, c'est la chope à l'autre bout de l'écran. Tu fais pas des boules, on t'a dit. Allez, deux hits combo, ça hit confirme sur les LK. C'est complètement garanti. L'IAD, et c'est fini. Bon, là, c'est réglé. C'était quand même vite fait. Mais cela dit, Isabelle est très très fort en fait. Donc, il n'y a pas d'embrouille, comme on dit. Allez, du coup, est-ce que c'est mon match? Non, c'est pas encore mon match. D'abord, ça va être Keikun contre Sir Crocodile. Bah ouais, voilà, bah on s'occupe bien. Bah, en fait, j'ai décidé de participer au tournoi. Alors, je me suis dit, moi aussi, je vais streamer. Voilà, il n'y a pas de raison. Ça fait longtemps que j'avais pas joué à Vampire Savior. J'avais envie de me faire un petit peu plaisir. Si on peut faire croquer des petits frères sur la visibilité du streaming. Bon, pas sur l'argent quand même, faut pas déconner, mais. Alors, Keikun, je le vois pas. Et Sir Crocodile non plus. Keikun, il est mort en poule, je suis sûr. Et moi, je vais jouer contre Sixion Imberlikio, que ça fait très longtemps que je vois qu'il traîne sur ce chan et qu'à mon avis, il est bien meilleur que moi. Il va me tuer. Il va me tuer. Et ça va être à moi de jouer. Salut Niark, salut Maxandre. Ouais, je vais me faire... Mais t'es ouf ou quoi? Je tombe contre le seul mec du tournoi qui sait jouer, c'est l'italien, là. Il a tellement la dalle qu'il fait tous les tournois, même le Tugeguac. Je vais me faire nettoyer.
Allez, c'est parti. Hop. Vas-y, comment je te provoque? Ah, et c'est comme ça qu'on fait? C'est ça? On est bon? Non? Je sais pas comment lancer un match en fait. Allez, le versus. Oui, j'autorise l'accès. Oui, j'autorise. Allez. Voilà. Allez. Je vais me faire laver. En plus, je suis côté gauche. Je sais pas faire les IAD côté gauche. Ça semble perfect. Je sais pas jouer de ce côté, putain, c'est violent. Je me fais défoncer de ouf. Voilà, c'est fini. Je me suis fait défoncer de ouf. Oh, il est même pas ferré. Voilà, c'était court mais intense. On va pouvoir commenter le reste du match tranquillement. Je peux même poser mon stick, c'est cool. Oh, je me suis fait salir intégralement. Voilà, c'est fini. Bon, vas-y, c'est parti, nouveau match. Ah, je pense que je suis un peu nettoyé sale en fait là, en effet. Allez, du coup, c'est parti. La propreté. Non mais c'est quand même pas de chance. Moi je pense que c'est Miles, il a trafiqué l'art pour me faire tomber contre le seul mec qui sait jouer au jeu. Allez, du coup. Doku nu, hein, Doku nu. Il est là, il est là. Ça joue contre les Allemands. On va voir qui c'est qui peut éventuellement rattraper la honte de 10-39-45. Tandis que AQ il est tranquille, oh, petit dash, petite boule en l'air, tranquille, tu t'approches pas. Oh là là, oh, ça fait des backdash pour éviter, c'est complètement le skill à l'état pur hein, quand même cette Morrigan. Tandis que Felicia qui s'approche un petit peu, qui gratte un peu là-bas. Oh mais dis donc, ça piffe la furie, ça passe complètement la roulade, c'est bien vu. Et que des sauts gros pieds, hein, vous remarquerez, une régularité dans les sauts gros pieds magnifiques, suivi du target 3 hit combo, ça balance les ES, ça compte pas ses barres. C'est complètement gratuit. Allez, du coup,
Allez, saut gros pied de nouveau. C'est complètement là. On se met bien, tranquille. Maintenant qu'on mène à la vie, on n'a aucune raison de s'approcher. Je se lit toujours saut gros pied. Voilà, il n'y a qu'une seule vérité. Saut gros pied. Target 3 hits. De temps en temps des ES pour gratter l'adversaire au sol. On est bien. Et puis bon, on repiffe. La furie à l'autre bout de l'écran. Il n'y a pas de limite. Et Dokunu, il est présent, hein, cela dit. Hein. Il est complètement présent. Hein. Le saut HK, ça fonctionne. Et du coup, ça counterpick. Je sais pas si c'est une bonne idée de counterpick avec Laylay, mais bon. À rigueur, pourquoi pas. J'aurais tendance à dire, toutes les options sont possibles. C'est, il a peut-être taffé une Laylay secrètement. Allez, saut HK. Moi que Mister Karaté exprime des doléances à l'encontre de mon restream dissident. Complètement dans la legit attitude. Hein. Moi je dois dire, personne ne m'a dit non, c'est interdit, c'est exclusivité. Tout ça. Hein. Je profite de ce dimanche après-midi tranquille pour streamer un jeu que j'apprécie particulièrement. J'ai la bande d'arcade à la maison, je suis safe. Hein, voilà. J'ai Vampire Savior dans ma versus, tout va bien. Allez, de nouveau saut gros pied. Pour l'instant, effectivement, l'arcane du saut gros pied fonctionne toujours aussi bien. Y a pas à dire. Apparemment, la garde en l'air, c'est un peu comme moi sur la Felicia tout à l'heure. C'est, je sais pas, il devrait y avoir un truc avec les Felicia qui fait que ça fonctionne particulièrement bien dans ce tournoi. Et là, Layla qui lutte un peu, elle a fait quelques dommages au début, mais pour l'instant, elle est plutôt mal barrée. Attends, ça cancel la chaîne, c'est très bien ça. Ça se met dans le coin gentiment, mais ça en ressort tout de suite. Attention, il va y avoir un saut gros pied, je vous le garantis. Non, ça piffe la furie. Bah non, il n'y a pas besoin de faire des sauts gros pieds quand les furies rentrent comme ça en full screen. Il n'y a aucune raison. Et c'est fini du coup, Dokuni 2-0. Et on continue dans le tournoi. C'était propre. C'était très propre. Et du coup, ça va être Sandoral contre. Bah non, c'est pas Instant Herbif, c'est Pietamou qui a gagné. Mais attendez, c'est pas The Dead qui a gagné. Ah non, c'est pas ça que je voulais montrer. Je voulais regarder le chat. Ah voilà, ça fait même pas les arbres correctement. Pff. Mais quand tu veux karaté, je te stream tes trucs de façon officielle. Tu m'appelles et puis on négocie tout ça. Considère ce stream comme un gage de ma bonne foi. MS, il est guaqué ce tête. Il est tombé contre un mec avec 305 de ping. De ping, ça veut rien dire. Le match en ces conditions. Il y a Keikuni, s'est pointé. Du coup, Keikuni, il gagne son match, on est d'accord. Hein. Ah non, il a été éliminé carrément, Keikuni. Il a été éliminé salement. Allez, Pietamouk Sando, c'est parti. Ça va être encore un match qui ne ressemble à rien. Voilà. Bon, en tout cas, salut à tous ceux qui sont là sur le stream du n'importe quoi, du Tugigwak Vampire Savior. Putain, je devrais faire ça plus souvent, des petits tournois de versus fighting au pif le dimanche tranquille au KLM. Et Sando qui a compris, hein, il joue le loup-garou du campus. On aurait tort de se priver. À moins que ce soit celui de comment il s'appelait ce film avec la nana vampire là, je m'en rappelle plus. Bah c'est pas très grave. Allez, ça piffe les comètes. Pressing dans ta garde à base de sarcophage. Ça rentre un saut moyen pied. Tentative de dragon, on peut rater quand même, on peut l'emporte-pièce hein, après tout. C'est pas grave. Les nunchaku dans la garde. Un coup qu'on ne voit jamais, sauf au Tugigwak. Hein. Il n'y avait pas de target, hein. on fait des pocs, il n'y a pas de target. Un petit guard cancel. Pour l'instant, il se défend plutôt bien. Hein. Cela dit, avec le ping, les deux sont désavantagés. Hein. C'est complètement. C'est faire, hein. C'est faire. T'as tous les deux des conditions de merde. Reste à voir que je pense que Pietamouk y gère beaucoup mieux. Oh, mais c'est l'infini! C'est l'infini! C'est l'infini! C'est l'infini!
Allez, voilà. Lui, puni, c'est la vie. Bon, cela dit, il fait un peu n'importe quoi derrière, hein, sans doute. Mais pourquoi pas, je veux dire. Après tout, un petit grain de folie, ça peut permettre. Il serait peut-être temps, cela dit, qu'il arrive. Ah bah, c'est beau fait la première base. Alors, non, Shinsu, je gagne pas l'argent d'LDLC, malheureusement. J'aimerais bien, parce qu'ils ont pas mal de thunes. Mais c'est juste que je suis streamé sur leur site, en fait. C'est pour ça. Et voilà, le Nakariste, hein, mais ces jump MP en l'air au ras du sol à l'infini, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est, voilà, tu fais ça et tu gagnes le match. C'est fini. Voilà, il plane, c'est un sarcophage. Allez, de nouveau Sarkozy. Ah, encore Sarkozy, mais c'est raté cette fois. Aouh, putain, on dirait moi quand j'ai découvert le jeu, quoi. Ah mais le Anacharis du lag, il est tellement sale. Franchement, il a aucune race. Et ça passe. Heureusement qu'on peut faire de combo dessus, mais c'est quand même assez craqué. Et bim. Et la première barre qui tombe, attention. Et voilà, le pressing de ta vie dans le coin. Arrête, tu vas t'afficher. Voilà, et c'est, je pense qu'il y a des problèmes de lag qui fait que... Oh là là, tentative de Tixro direct. Voilà, les IADHK. Et ça balance les ES, on est en fin de vie, on veut tuer. Et la talonnette, comme Urien. Putain, décidément, la puissance du lag combinée à Nakaris est complètement violente. On ne peut rien faire. Complètement rien faire du tout. Et c'est un GGS. Nakaris ping, c'est complètement gratuit. Allez, du coup, le match qu'on attendait, Link Xelo contre Jin Deathwalk. Ça lance tout de suite, ça n'a pas le temps. Ça veut se régler. Ah ouais, ça y est. Ah, ça joue les petites filles, hein, ça joue les lolis. C'est un truc de mec qui aime bien les mangas, ça, jouer les lisses. Allez, le saut MK qui est rentré complètement gratuitement. Link Xelo qui se fait pour l'instant un petit peu pressé dans le coin, mais qui rattrape, voilà. Un petit footsie à droite à gauche. Hein, les petites roues, tout ça. De nouveau la roue. Petit mind game. Tentative de chop qui n'est pas passée. La roue EX complètement, il le remet dans le vortex et dans le coin. Ça va, ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Mais c'est plutôt équilibré, la Lilith finalement qui arrive à s'en sortir. On ne sait pas trop comment elle fait de dommages, mais elle en fait. Oh là là, il a complètement bien vu. Il a évité la chope, à mon avis pas forcément à dessein, mais c'est passé quand même. Et finalement c'est assez serré, voilà. Une barre partout, tranquillement. Ça se fait des petits dragons en ES, hein, après tout pourquoi pas. Hein. De toute façon, la barre tu l'emporteras pas, hein. C'est un peu comme ton compte en manquer le corbillard, on l'a jamais vu te suivre. Tentative de whiff punish, c'est pas passé très loin, voilà, le bon moment fan service. Malheureusement pas super rentable. Dragon piffé, pas puni. Ouais, pourquoi pas, si ça punit pas les dragons, on aurait tort de se priver. Ça punit pas non plus, si, ça punit les furies, c'est plutôt pas mal. Allez, pour l'instant ça sent un peu le pâté pour Lilith, elle pourrait peut-être temporiser un peu, récupérer un peu de vie, non. Elle préfère se prendre les doigts dans la gueule. C'est un perso digital, Jedha, pas numérique, digital. Il lui a mis les doigts. Est-ce que ça counterpick ou pas? Ah oui, ça counterpick. Allez, direct. On prend les god tiers, on s'en bat les couilles. Pourquoi pas, moi j'ai envie de dire. Allez, on fait pas les coups en IRD, on les fait en jump normal. Hein. Ça suffit complètement. Allez, il y a des deux fois. Hein. Le manque de respect est total de la part de Link Xelo. Il en a rien à foutre. T'as voulu counterpick, c'est pas grave, je ne te respecte pas. Tentative de whiff punish qui malheureusement n'a pas fonctionné sur le drill kick. Putain, il est complètement là, hein, ce Zabel. Ce Zabel qui tente la chope comme ça à l'emporte-pièce contre un perso qui passe la moitié de sa vie en l'air. Fallait oser, pourquoi pas. Allez, la chope, un OS dans le vide, la roue. Et finalement c'est lui qui mène pour l'instant, hein. Lord Raptor, à force de gratter à droite à gauche et puis de rentrer une furie comme ça à l'emporte-pièce, c'est propre. Allez, cela dit, Link Xelo, une barre partout là maintenant, c'est de nouveau serré. Et putain, la roue X, ça fait tellement mal, la roue en ES.
Oh, il a complètement piffé son ES. Ça rend coup sur coup, hein. Ça veut absolument rien lâcher l'affaire des deux côtés. Il veut choper, mais il n'y arrive pas depuis le début de la rencontre, hein. Il a essayé de le causer son coup. C'est le coup qui le rend si fort, je pense. Jedha qui est pas un personnage super fort du jeu, normalement. Sauf si la tier list a changé entre temps, mais ça m'étonnerait. Je sais qu'elle a un peu évolué, mais pas à ce point-là quand même. Allez, la punition du drill kick. Il a évité la furie. Et voilà le petit target avec le gros point derrière. Et ça finit. C'est réglé. Eh bien, bravo, Link Xelo qui progresse dans l'arbre de manière propre. Sans trop de soucis d'ailleurs, hein. Il y a quand même des phases, hein. Il y a quand même des phases magnifiques là pour l'instant. J'avoue que je suis impressionné. Alors attendez, ça mérite quand même un petit instant. C'est le Tougegouac, hein, c'est les ambiances orientales, tout ça. Il manque juste les petites pâtisseries, mais on a le petit thé à la menthe quand même, histoire de. Spécial dédicace à Mister Karaté. À OZL, à Mail the One, à la team FDP. Salut Serbit, salut Arsenic également. Du coup, petit bouchon, son adversaire arrive. Salut Aden également, ça va bien, merci. J'espère que toi aussi. Ah, il y a Gamelon aussi qui arrive, tranquille. Et Neidara également, bienvenue. Allez, Shikshu versus Doku, là on devrait avoir un match assez sympathique. Je pense que ça sera un peu moins combo vidéo qu'avec moi. Putain, je me suis fait roux, mais enfin attends, lui, déjà quand je jouais à Vampire Savior à l'époque, déjà sur le jeu, il me roulait dessus. Alors là que je ne joue plus depuis 3-4 ans, c'était fini, j'ai toujours été un sac fini à ce jeu. Et c'est un miroir de perso dégueulasse, hein. Et qui c'est qui va gagner entre SoHK et puis SoHK Target, voilà, hein. SoHK, 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 pardon, pas Target, excusez-moi, c'est chaîne combo, my bad. Allez, Tix Rochop, c'est déchopé par Doku Nu, hein. il a le réflexe, hein, cela dit. Voilà, ça gratte un petit peu avec le S coup de patte, le ballon qui est horrible, qui permet de rester en frame advantage, c'est un block stun. Et pour l'instant, Doku Nu qui prend un peu cher, mais qui essaie de gratter la barre. Ah, c'est pas lui qui a eu la chope, mais il a réussi à déchoper. Voilà, bobo. La roulette comme ça, au pif, tranquille. Allez, target, on maximise les dommages. Jump HK, balayette. Ça rate le S malheureusement pour gratter un peu plus de dommages supplémentaires. Soit HK, soit HK, hein, c'est garanti. Hein. Vu l'hitbox du coup, c'est complètement garanti. Allez. De toute façon, c'est Sitcho qui a systématiquement la prio en l'air. Hein. Mais Doku qui a sa stratégie de la terre brûlée à coup de soit HK tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soit HK, soit HK, soit HK, soit HK, soit HK. Balayette de temps en temps, soit HK de nouveau. Oui, bah c'est complètement puni en entière de la part de Sitcho qui a des très bons réflexes. Et qui le presse pour l'instant dans le coin. Voilà, la balayette, on rentre le S, on est proche de la victoire là pour Sitcho. Qui rate son anti-air. Oh, ça piffe la furie, c'est la mort. Non, c'est pas la mort en poule.
Et cela dit, le petit dragon pour gratter. Voilà. C'est propre, hein. Franchement, Sichio, c'est propre. Hein. J'aurais bien aimé voir Sludd aussi dans le tournoi, malheureusement. Il a des problèmes de connexion qui font qu'il ne peut pas jouer. Bon, après, c'est le Tugiguak aussi. Si vous commencez à accepter les mecs qui savent jouer au jeu, on va plus s'en sortir. On était bien entre sacs finis à la piste, là, quand même, non? Allez, first attack. Allez, la punition de la roulette. Très bien vu. Bon, ben voilà. Petit instant de grâce à se regarder dans le blanc des yeux. Ça rentre complètement dans la tentative de Tech Roll, pardon. Technique du saut gros pied qui n'est plus si efficace maintenant qu'on est contre un joueur qui connaît mieux le jeu. Soit de temps en temps, l'arcane du saut arrière gros pied dans le coin fonctionne pas mal. Alors pour ceux qui comprennent pas les barres de vie, c'est très simple en fait. Il n'y a pas de round, il y a deux barres de vie. En gros, c'est comme si tu avais deux barres de vie en une, il y a juste un petit temps de pause quand tu en perds une, c'est tout. Qui permet éventuellement de te remettre bien en attendant. Allez, attention, parce que derrière ce coup, tu ne peux pas taper. Félicia est en avantage. Allez, vas-y. Ah, dommage, attention, le mauvais côté, ça fait très très mal à la barre. Voilà, le double jump utilisé à bon escient pour continuer à presser son adversaire qui lui est resté au sol. Très très bien ça, ce gros point en entière complètement mindé. Voilà, Maxandre a tout résumé. Le blanc permet de récupérer de la barre de vie également. Neko Punch. Puni par un saut HK, c'est garanti. Saut HK de nouveau, non. Oh oui, très bien, avec le dragon derrière qui n'est pas puni et qui n'est pas gardé non plus. Et ça met la furie complètement à l'emporte-pièce et Dokuni finalement qui s'en sort plutôt pas mal pour l'instant. Et il pourrait peut-être le gagner sa deuxième et faire un petit 1 des familles. Hein. Sauf qu'attention, l'adversaire en face il a 2 ES. Non, pas de tarif. Il punit pas la furie. Il fait le target tranquillement, la chop, attention. Alors là du coup par contre, tu vas bientôt mourir Dokuni. Oh, attention, il s'accroche au mur. Non, il punit pas, voilà, il punit pas, il préfère piffer un ES une fois mis à l'autre bout de l'écran. Il avait quasiment la victoire, non, il punit pas non plus, bon ben voilà, il voulait pas gagner, hein. Il voulait pas gagner d'aucune. Oui, il y a un Okizem derrière à la fin d'un round, effectivement, ouais. Bon, c'est CQ qui va gagner le tournoi. Hein. Il y a Rêve éventuellement qui va lui faire peut-être un peu d'opposition, mais bon. Oh là là, le mec, il a rajouté les gens complètement au pif. Il a incrusté karaté, ce salaud. Cette sans race absolue. Il appelle carrément le fondateur de Guac.fr, Mister Karaté lui-même. Mais merde! C'est quoi ces photos sans déconner là? Shinsue enfin! Tenez-vous tranquille un peu! Si vous voulez balancer ce genre de photos, vous avez le stream de Miles, merde! Vous êtes absolument sans pitié quand même. Ah merde, j'ai pas oublié de lancer le match. Parce que pendant ce temps-là, ça continue les tournois. Ah. Ça veut configurer les touches apparemment. Allez. Bah je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Non. Ouais, ça configure les boutons.
Attends, je vais quand même relancer parce qu'on sait jamais, il s'est peut-être passé un truc chelou et ça a pas loadé les inputs. C'est tellement fini la piste ce genre d'émulateur. Bah non, effectivement, ça se regarde tranquillement, sans pression. On peut constater quand même la qualité des animations. C'était pas grave. Putain, Link Xelo versus Pietamouk, j'ai mal pour lui. Les 300 de ping qui reviennent. Allez, Pietamouk. FT2. Ah, ça a déconnecté. Non? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut pas connecter. C'est le couac, hein. C'est le couac. Visiblement, on la connecte. Ça lag tellement que j'arrive pas à le rejoindre. C'est garanti. Allez, le beau jeu, le beau geste. La roue contre les sarcophages. Ah, c'est garanti qu'il va se faire misérer par le perso. Voilà, à l'infini. Franchement, pourquoi est-ce qu'il changerait de stratégie? Ça fonctionne contre tout le monde. Sarcophage, sarcophage. Allez, IAD à l'infini, de toute façon c'est pareil. Eh ben non, ça passe pas. Arrête de faire ce coup, tu n'arriveras jamais à le coller. Oui, j'ai déjà remué là, laisse-moi tranquille. Allez, le pressing de ta vie, hein, Jedha qui pour l'instant en mauvaise posture. Et mais en fait, tu mets 3 kilos de menthe à chaque fois que tu fais une théière de thé à la menthe. Ah ouais, je vois. Allez, il lui casse de la chope, effectivement, c'est bien trouvé. Ça revient, ça remet les pendules à l'heure, les pendules à zéro. Salut Slaor. Et la roue, empêche-le d'approcher, mets la roue, et fais des furies anti les furies l'autre bout de l'écran dès que tu peux, voyons. T'as pas le match-up. T'as pas le match-up, Anacharis, normalement. Voilà, on s'échappe. De toute façon, le coin, c'est pour les faibles. Moi, je reste pas, je me casse, salut. Et de nouveau, la même furie, voilà. Un petit tiers de barre au KLM, tranquille. Allez, transformation en corbeau. Oui, complètement wifi, c'est pas grave. Voilà, il a compris Link Xelo. On s'en fout du ping, si tu t'approches pas, tu vaux rien, t'es zéro. Par contre, les entières sur un mec qui bourre, c'est pas fondamentalement une bonne idée. Hein. Allez, le bas gros pont en entière, tranquillement. Mais arrête de presser, ça sert à rien. Fais tes rôles au bout de l'écran et balance tes furies, t'as plein de S. Oh oui, ça met l'entière. Oh, ça a presque tué. Ça a presque tué. Ça a essayé de mettre la furie, mais c'est pas passé. Oh là là, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, il est encore transformé en corbeau. En corbeau. Attention. Il arrive à éviter. Il évite tout. Il évite tout. Attention. La phase IAD. Non. Et au time over. Putain, c'est moche. Je crois que j'avais jamais vu un time over sur ce jeu, quoi. Ah, ça counter pique, hein. Ça counterpique le pressing de ta vie avec Bouletta. Allez, tentative de pressing de lance-missile, mais c'est pas forcément très efficace contre un Jedha qui va rester tranquillement au bout de l'écran et balancer ses roues et rester en l'air en fait.
Ouh, ben voilà, première fois qu'il réussit sa chope du tournoi. C'est, je pense qu'il faut marquer d'une pierre blanche. Je voulais donner un petit achievement comme ça, c'est cool. Et là pour l'instant, bah du coup, notre coréen qui était un petit peu handicapé. Hein, Sabuleta qui n'a pas l'air forcément super au niveau pour l'instant, mais qui gratte quand même pas mal de dommages, hein, mine de rien. Voilà, la bouteille de champagne, les missiles en ES, on est bien. Il veut la faire sa chope, hein, c'est quelque chose de chez lui, c'est important. Il faut absolument caser la chope en l'air de Jedha, c'est garanti. Allez, ça se regarde dans Jeune Faïence. Pour l'instant, c'est Jedha qui est mené. Voilà, on souffle un petit peu la bougie. On essaye d'attaquer quand même, hein, mine de rien, de la part de Link X Zelo. Il y a un petit effort, hein, cela dit, d'y arriver tranquillement. Lance missile, il tombe dans la roue. Oh bah voilà, hein, il n'y a pas vraiment besoin de se faire chier. Hein. On appelle les Tyroliens, c'est bon. Et mine de rien, c'est toujours un Pietamouk avec son lag de l'enfer et sa petite camp efficace. Efficace et pas cher. Ah. Il y a quelque chose, hein. C'est la map que je préfère. Ah, la technique du panier à l'infini. Et il se reprend la furie en whiff punish cette fois-ci. Ça doit être tellement injouable. Franchement, j'ai mal pour Link Exelo parce que du coup... un perso de Jedha, il faut un minimum d'exécution et tu peux même pas envisager de hit confirme, un instant dash, tout ça, tu t'envoies les couilles en fait, tu peux rien faire. C'est bien ça le problème. Et c'est le KO. Un partout, chers amis, un partout. Pardon, excusez-moi. Allez, on reprend les mêmes et on recommence. Arrête de faire ta chope, ça sert à rien. Fais tes roues, mec. Take it. La roue X. Ah, oh, c'est chaud les mecs. Allez, la puissance du lac qui permet de faire des pressings n'importe quoi à base de footsies. Mais Link Exelo pour l'instant qui est plutôt bien placé. Qui empêche carrément son adversaire d'avancer. Voilà, c'est très bien. Ça évite les pifs des Tyroliens. Mais voilà mon gars, t'as rien besoin de te faire. Tu fais IAD, moyen point, c'est réglé. Les doigts dans la gueule, on a dit, les doigts dans la gueule, voilà, la roue, les doigts dans la gueule, et on est bien. Voilà, les doigts, on t'a dit, c'est très bien, voilà, la hitbox des doigts. Mets-lui des doigts, s'il te plaît. Mais bon, pas les chopes, les doigts, on t'a dit, allez. Putain, c'est comme les pots de Nutella, c'est meilleur avec les doigts. Putain, il veut absolument la faire, hein, je sais pas, c'est... Si tu perds là-dessus, mec, je te jure, je m'énerve. Allez, tu peux y arriver. Allez, voilà, de toute façon, tu t'en fous, t'as plus de vie qu'elle. Ah, voilà, chope aérienne, c'est très bien. Voilà, il va la laisser tranquillement arriver maintenant. Non, on avait dit pas la chope spéciale, les roues, les doigts, tout ça, tout ce que tu veux. Même les roues dans les doigts ou les doigts dans les roues, je sais pas comment on peut, mais... Fais des combinaisons, mais voilà. Voilà, target, très bien. Faut faire simple. Dans des conditions de jeu pareil, tu peux pas te permettre de faire le combo maker vidéo, tout ça. I think it's pretty bad, Shikshio, to be honest. I think it's impossible to pull off a chain... Even the chain combo is hard. you cannot hit confirm any instant air dash. Ah putain. Ah là là, putain, merde. Ah, heureusement.
Heureusement qu'on est le dimanche soir, hein. Bon, allez, karaté, là, arrête les conneries, putain. Salut Kimou. Allez, c'est parti. Oh, c'est Monsieur Karaté himself. Hein. C'était un gros match Link Xelo, mais t'as dû devenir fou quoi. T'as dû devenir complètement ouf. Mais pourquoi tu veux absolument faire la chope en l'air? Je doute pas Shinsue, je vérifie les sources. C'est mon esprit journalistique. Ouais, la chope où il rigole et il chope, il envoie le mec en l'air, il retombe avec lui, il le plante par terre. Pas la griffe. La griffe, c'est craqué. Le dash avant MP, c'est complètement craqué. Mais non, mais arrêtez, pas sur les mineurs quand même, soyez pas sales. Pendant que les adversaires n'arrivent pas à se connecter. La voiture en panne. La voiture en panne. Si, la voiture en panne. Ta soeur.
Bon, karaté, arrête de déconner, là, lance la game. Gros sac. Faut juste qu'on détermine la dernière accédant à la demi-finale, merde quoi. Tenez, je vous partage le bracket. C'est la fête, on va jouer à la première demi-finale. Ah ouais? Ouais, bon, ok, d'accord. Bon. Bah ouais, en fait, non. Ah, du coup, ouais. Ah merde, ça a commencé le match. Allez, du coup, on a un mec qui sait jouer contre un mec qui sait encore mieux jouer. Du coup, ça va peut-être être intéressant. Allez, chope en l'air de la part de Fixio. Il rêve vraiment qu'il devrait pouvoir avec son perso s'amuser à presser son adversaire, mais il faut voir, hein, parce que la puissance du saut HK avec Felicia, elle est quand même complètement là. Voilà, petit target tranquille sur un neutral jump. Neutral jump HP hein, qui est quand même assez craqué au niveau de la hitbox. Cela dit, rêve qui se défend un petit peu, qui rate son entier malheureusement. Allez, ça cherche le target, facile, hein, 2 hit combo, c'est pas énorme, mais bon, ça permet de faire quelques dommages. Allez, ça active tous les deux les Dark Force, hein, mais c'est pas très utile pour Zabel, cela dit, donc c'est un peu dommage. Il est plutôt en mauvaise posture, là, hein. Shixio qui est en train de lui rouler dessus, avec les petites phases avec le ballon en frame advantage, tranquille, pépère. Ah bah ça, pour vous coller du jump MP... En lévitation, oui, ça c'est sûr, il y a du level. Hein. Des sarcophages au pif, ouais, il y a du level, hein, ça c'est sûr. Enfin, je parle mal, c'est la base. Allez, guard cancel tranquille. Allez, rêve, tu peux le faire, t'as le perso, t'as la craquance. En fait, ce match-up, c'est peut-être celui qui arrivera à bourrer le plus, en fait. Yeah, tranquille. Ah voilà, les phases de pressing en Yadi qui commencent à venir. On se pose un petit peu, on pose son jeu tranquillement, sans pression. Attention dans le coin, ça sent mauvais. Déjà une barre de vie qui est partie. Voilà, ça piffe la furie, c'est mortel. Le upka qui permet de gratter quelques dommages. Tentative de combo LK-LK. Ça n'a pas fonctionné, c'est dommage. Allez, l'IAD, voilà, très bien, ça passe complètement. Ouais, ça ne punit pas les furies, hein. C'est quand même assez sympa ça. Décalage chop. On active le Dark Force. Et ça rentre complètement. Ça va faire très mal. Dash arrière gros pied, c'est garanti. Allez. Et c'est fini. Oh, c'était tellement rapide. Shikyo impérial. Malheureusement, Rêve qui n'a pas été à la hauteur. Et du coup, est-ce qu'il a été éliminé le JPK? Oui, il a perdu par...
Il a perdu par défaut, c'est fini. Et ça va être du coup la finale. Link Xelo contre Shixio. Du gros level. Là là. Ouais, c'est bien. Je tiens à dire qu'il est quand même, il est quand même efficace, hein, Miles. Hein. Si les mecs ils font chier, ils les éliminent tranquillement, sans pression. Ça passe complètement. Ah merde. Allez, voilà, ça va être la roue. Ah non, reset, c'est pas grave. Et c'est la finale, on est bon! Allez, du coup, ça va être des roues, beaucoup de roues. Si seulement il arrive, malheureusement, il va falloir qu'il essaye de maintenir la distance avec Felicia, ce qui est pas forcément facile. Voilà, la petite phase en whiff punish très bien sur un perso rushdown, c'est toujours efficace. Malheureusement, si tu le fais trop, t'es grillé. Ah merde, la souris, putain, désolé. Allez, voilà, ça met l'anti-air. Ça active le Dark Force sans trop de succès. Pour l'instant, il s'en sort bien le Link Xelo, hein, mine de rien. Il est complètement présent. Oh, il a failli rentrer sa chope. C'était sans compter sur le dragon de Felicia. Voilà, les doigts, la roue EX, on a dit. Malheureusement, ça n'est pas comboté derrière. Et attention, Sixio qui rattrape son retard. En deux coups de cuillère à peau. Ah la roue, ah, la boule en overhead. Ça casse la garde. Ah Shixio, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu contre le perso, mais bon, cela dit, il va suivre quand même. Bah, je sais pas, moi je vais essayer de. Je vais essayer d'être à la maison vers 17h, 17h30. Je vais partir à 16h30 du boulot, ouais. Oh là là, disons que ça met complètement le guac, hein. Là ça met la phase. Ah, il faut pas attendre, il y a toute la vie qui remonte là. Ouais, tentative de casse-garde, mais c'est un peu grillé. Ah, c'était dommage, c'est magnifique ziadé là, il y avait juste à faire 2-3 dommages supplémentaires pour casser la barre. Et là il a carrément tout récupéré, il a récupéré un quart de sa barre de vie, c'est terrible. Et là il est en train de grignoter la barre de Jedha, tranquillement. Jedha qui récupère sa barre de vie également. C'est chaud, hein, c'est chaud, ça rend coup sur coup là. Ouf. En tout cas, c'est réglé pour une barre d'un côté, ça va bientôt être le cas pour la barre de l'autre du côté de Jedha. Et c'est... parfaite égalité avec 66 secondes de match restant. Le pressing dans la garde avec le Dark Force. Et ça passe complètement le combo de la vidéo. Et ça fait tellement mal et ça finit bref. Oh là là, oh les dommages qu'il lui a mis. Oh shit. Alors je pense que Link Xelo il a fini là. Il est mort. Il est mort de façon cérébrale. Son cerveau a fondu. Et c'est Shixio qui remporte la rencontre. Hein. Vraiment c'est en FT3, je sais pas. Non, c'est en FT2. Ah non, c'est FT3. FT3, bon ça va alors. Il peut se rattraper, il peut se rattraper. Mais il s'est quand même pris une belle phase là. Tentative d'IAD, mais attention, hein, Felicia très mobile. Voilà, son en arrière-point. Pour éventuellement essayer de trouver une ouverture pour te placer un chain combo. Le guard cancel en dragon, ça fait toujours du bien. Le petit combo des familles classique. C'est ça qui est cool avec Vampire, c'est que tu peux soit jouer en chain combo, soit éventuellement faire des combos basiques, hein, saut gros pied, bas moyen pied, furie, tout ça, c'est tout à fait possible. C'est quand même un jeu extrêmement compliqué, hein. C'est très très difficile de l'appréhender, mais il est tellement complet et tellement rapide que ça a l'air très très fun à jouer.
C'est juste niveau Master 2, niveau d'études pour pouvoir y jouer correctement. Et là, Link Xelo qui est en train de se faire rouler dessus, malheureusement. Allez, c'est la mort en poule qui l'attend là. Malheureusement, Link Xelo, j'ai plus trop d'espoir. Même si c'est mon gars, malheureusement, Shixio qui s'impose 3-0. Voilà. C'était propre. Et c'est fini. Ah, tu t'es bien défendu quand même, t'as fait finaliste, second du tout, et quoi que c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pas n'importe quoi, félicitations du coup. Il n'y a pas de troisième place, parce que la troisième place, c'est la place des sacs. Oh là là. Oh. Et du coup, il y a le match bonus versus Mister Karaté. Voilà, parce que c'est le boss final du jeu, on s'en va les couilles. On s'en fout. S'il a pas peur, il va sortir la sardine, la poiscaille. C'est garanti. Ah là là. Bon bah le Battle King il est mort en poule apparemment. Hein. Bon, bah, je pense qu'il n'y aura pas le match contre le boss secret. Ce n'est pas très grave. C'est la mort du modem, c'est la mort des chaussettes, c'est la mort du stream. Ah, oh, le boss secret. Bon, nous on va arrêter là. Je reprendrai peut-être ce soir plus tard pour du Bloodborne. Ouais, j'ai lancé pour le guac, ça fait une petite heure, c'était cool. Je ne mettrai pas la VOD sur YouTube. Bon, allez. Sur ces bonnes paroles, des bisous. Bon, sûrement à plus tard pour les habitués. Allez, à plus tard. Oh.